rappel rapide de l'épisode précédent pour qu'on puisse enchaîner en douceur et en souplesse. L'hypothèse d'une matière première psychique, d'une trace mnésique, une motion pulsionnelle de quelque chose qui est là à l'origine, qui est un terme pour désigner quelque chose d'un peu énigmatique, mais qui serait le premier enregistrement. Le premier enregistrement, la première trace en quelque sorte de nos expériences subjectives, celles qui nous travaillent, celles qui sont symbolisées, celles avec lesquelles nous allons avoir un débat. Une compulsion en nous, un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire, qui est que tout ce à quoi nous avons été confrontés de significatif, à ma foi, nous avons à l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Et ce travail d'intégration, c'est celui qui parfois est en panne, parfois échoue. C'est celui qui est à l'origine de la psychopathologie. La psychopathologie apparaissant alors comme les solutions plus ou moins créatives, mais aussi plus ou moins bâtardes, que les sujets ont pu mettre en place tout au long de leur histoire, pour tenter d'intégrer quand même parfois des expériences particulièrement compliquées à intégrer, soit parce qu'elles sont de nature traumatique en elles-mêmes, soit parce que le sujet n'a pas trouvé l'environnement qui lui permettait de faire ce travail, soit encore parce que l'état de ses forces psychiques n'était pas suffisant, des expériences précoces, des expériences qui deviennent traumatiques, non pas parce qu'elles le sont intrinsèquement, parce qu'elle confronte le sujet à un appareil psychique qui est pas suffisamment mûr, pas suffisamment élaboré. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous accordons tant d'importance aux événements de l'enfance et en particulier à ce qui a pu se passer dans les premières années de la vie, c'est-à-dire à l'époque où ce à quoi l'enfant est confronté est potentiellement traumatique parce qu'il n'a pas les moyens de le traiter, qu'il a besoin de son environnement pour ça, que l'environnement n'est pas toujours au rendez-vous de l'étayage, et que ça finit par provoquer des expériences qui gardent un potentiel énigmatique, un potentiel traumatique parce qu'énigmatique, parce que inintégrable. Ça, c'est le postulat de base, c'est notre credo, je crois en la réalité psychique, et je crois qu'elle se donne à nous sous la forme d'une espèce de matière première que nous avons à symboliser. Ensuite, un impératif catégorique. Deuxième proposition, c'est ce que j'avais essayé de vous dire en reprenant le « Voes, war, soll, ich, werden » de Freud, c'est-à-dire l'impératif catégorique, c'est ben, « Mon petit vieux, il faut que tu subjectives ce à quoi tu as été confronté, tu n'as pas le choix. » Alors tu te débrouilles comme tu veux, plus ou moins bien, et nous avons affaire avec le plutôt moins bien, en tout cas le pas suffisamment bien, pour que ça permette aux gens de vivre avec, on va dire, un principe du plaisir suffisamment à l'honneur dans leur vie, une capacité de satisfaction suffisante, ce qui veut donc dire souffrance, douleur, insatisfaction et symptomatologie de souffrance psychique, de psychopathologie. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a une deuxième chose que j'ai soulignée, c'est que cette matière première, de toute façon, elle a un caractère énigmatique du fait de son hypercomplexité. Et elle a un deuxième caractère énigmatique du fait qu'une partie est inconsciente et nous devons faire un travail en quelque sorte pour la rendre consciente. Donc, il y a entre notre expérience subjective et nous-mêmes une médiation inévitable et nécessaire parce qu'il n'y a pas d'immédiateté de la saisie de ce à quoi nous sommes confrontés. Ça, c'est tout à fait essentiel, c'est tout à fait important. En tout cas, c'est encore plus vrai à l'origine, mais ça reste vrai tout au long de la vie. Une partie de notre expérience subjective est énigmatique et elle n'est pas immédiatement saisissable. Et nous sommes donc tous en quête de médiation, de médium, de situations dans lesquelles nous allons pouvoir
approfondir, creuser ce à quoi nous avons été confrontés pour pouvoir l'assimiler et pour pouvoir l'intégrer. Là, on a les bases, en quelque sorte, les fondements de notre position clinique, ça va être d'intervenir pour tenter d'étayer, d'aider, de soutenir ce processus chez les gens que nous rencontrons, tout en sachant qu'il est douloureux, qu'il est difficile, qu'il provoque de la souffrance, qu'ils ne vont pas nécessairement nous sauter au cou par rapport à ce processus-là, parce que on leur propose pas, on leur propose d'intégrer quelque chose qui est d'eux, mais parfois ce qui est d'eux est difficile à intégrer, difficile à supporter. C'est à la limite de l'abject, à la limite de l'humain, c'est de la souffrance et des choses comme ça. Mais de toute façon, ce qui nous soutient, nous, c'est de nous dire que c'est bien pire pour eux s'ils n'arrivent pas à l'intégrer. Donc, en effet, nous ne sommes pas tout le temps les sauveurs que nos motivations premières à faire de la psychologie avaient pu mobiliser en nous. Nous ne sommes pas tout le temps les bonnes mères, les bons pères, les bons ceci et les bons cela, parce que nous sommes aussi porteurs de quelque chose qui est en lien avec ces points de souffrance, avec ces affects extrêmes, avec toutes ces points de difficulté. Alors, la non-immédiateté, alors ça, je crois que c'est vraiment tout à fait fondamental. S'il y a une chose qu'il faut retenir absolument de la pensée psychanalytique, et c'est, on pourrait dire, la manière 21e siècle de parler de l'inconscient, c'est de dire qu'il n'y a pas d'immédiateté de soi à soi. Alors, ça avait été dit par quelques poètes, il me semble qu'il y a un Rimbaud qui traînait par là et qui avait dit « je est un autre ». C'est-à-dire, pour désigner en quelque sorte cette altérité qui nous travaille, quoi, et qui ne cesse de nous travailler tant que nous n'avons pas réduit. Et nous ne la réduisons jamais totalement. Et heureusement, parce que c'est aussi ça, vivre, hein, c'est aussi continuer d'explorer quelque chose de l'altérité qui est en soi. Quand on travaille avec les mourants en fin de vie, on s'aperçoit que ce travail, ils ont beau avoir 50 ans de psychanalyse ou d'élaboration derrière eux, ils atteignent un grand âge et il y a encore du boulot à faire. Il y a du boulot à faire jusqu'à la fin. Alors de notre côté, c'est réjouissant, hein, parce qu'il n'y a pas un moment où on dit, voilà, ça c'est fini maintenant. C'est pas la peine d'aller plus loin. Si c'est fini, c'est foutu, hein, c'est la mort, parce que c'est aussi la vie, la rencontre avec la problématique énigmatique. Hein. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une affinité entre l'énigme en moi et l'énigme de mon expérience et l'advenir, l'avenir, le futur. Hein. La rencontre avec une énigme dans le passé, voire dans le présent, ouvre en quelque sorte sur un travail à faire et ouvre donc sur un projet. Donc, ouvre sur le futur, sur la dimension de la temporalité. Il y a une belle phrase de Green qui est assez intéressante. J'aime bien comme ça, de temps en temps, un bon slogan, parce que ça permet de fixer les idées. La phrase de Green à laquelle je me réfère est la phrase suivante. Le temps où ça se passe, où ça, le ça, l'expérience subjective, hein, où ça se passe n'est pas le temps où ça se signifie. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Il y a toujours un décalage. Alors, bien sûr, effectivement, quand on commence à avoir un appareil psychique sophistiqué par de longues années d'analyse et d'études en psychologie, l'écart est réduit. Mais même, quelle que soit la longueur de l'analyse que vous avez pu mettre en œuvre, de toute façon, il reste un écart. C'est ce qui fait que l'idée d'une analyse finie, par exemple, on serait tout bien propre, on aurait tout bien liquidé, c'est même pas une utopie, ce serait une malédiction. C'est un travail qui n'a pas de fin, parce que c'est le travail de la vie lui-même, hein, de la vie psychique, et la vie psychique, c'est une partie de la vie. Donc, il y a un premier temps, avec peut-être une première urgence pour la vie psychique, qui est de se saisir, de s'emparer, d'avoir une mainmise sur l'expérience subjective. Quand on n'a pas de mainmise sur l'expérience subjective, à ce moment-là, elle est traumatique. Elle nous déborde et elle oblige à la mobilisation de mécanismes de défense qui ne sont pas des mécanismes de saisie, mais des mécanismes de repoussement. Ça, c'est quand même une sacrée différence. Donc, ça, vous trouvez ça très très clairement formulé par Freud dans Au-delà du principe du plaisir.
La première urgence, l'urgence absolue en quelque sorte de la vie psychique, avant toute chose, avant de savoir si c'est agréable, si c'est désagréable, si on va le mettre dans telle case, le processus de symbolisation ou dans telle autre, avant toute chose, il faut en quelque sorte être le maître de ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est aussi le point de départ de la subjectivation, c'est pouvoir s'emparer de ce à quoi je suis confronté, c'est-à-dire avoir une forme de maîtrise. Alors, là aussi, on voit très bien en clinique ce qui se passe. Quand les sujets ont beaucoup de difficultés à être le maître dans leur maison, eh bien, ils vont maîtriser ce qui se passe au dehors. Et en maîtrisant, donc on va se sentir immobilisé, sous l'emprise de l'autre, avec le développement des pratiques de maîtrise, parce que toutes ces pratiques de maîtrise de l'autre sont destinées à empêcher l'autre de mobiliser quelque chose en soi qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est plutôt plus facile de le maîtriser au dehors qu'au dedans. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons profondes des processus de projection. Une des raisons profondes des processus de projection, c'est tenter de mettre à l'extérieur quelque chose que je ne peux pas maîtriser au dedans, parce que quand c'est à l'extérieur, ma foi, je peux le manipuler, j'ai la motricité, j'ai la perception, j'ai toute une série de procédures à ma disposition pour essayer de m'en rendre maître. Quand c'est à l'intérieur, la difficulté d'avoir prise sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, première urgence, une exigence de saisie, une exigence de mainmise, une exigence de prise, une exigence d'emprise sur l'expérience. On n'a pas le temps, mais si on avait du temps, on aurait des débats tout à fait essentiels à avoir là-dessus, sur le rapport qu'il y a entre ce processus premier de prise et quelque chose qui serait l'inscription psychique. Est-ce que, quand je n'ai pas de prise sur ce qui se passe, est-ce que ça peut s'inscrire à l'intérieur de moi ? Alors c'est un débat qui a mobilisé de nombreuses positions. Alors on a sorti des traces de non-traces, c'est-à-dire la trace du fait que j'ai pas pu faire une trace avec ce à quoi j'étais confronté. Enfin, on est arrivé à des sophistications extrêmement importantes, mais il y a bien une vraie question, et une vraie question qui a peut-être un versant biologique, parce que de toute façon, mon expérience, que je le veuille ou non, que je la subjective ou pas, que je puisse me l'approprier ou pas, de toute façon, l'expérience, elle a eu lieu. Si elle a eu lieu, elle a laissé des traces. Alors ces traces, après, elles sont biologiques au minimum, parce qu'il y a eu des processus de perception, parce qu'il y a eu un certain nombre de mécanismes qui se sont mis en place et qui se sont effectués à un niveau biologique. Après, toute la question, c'est l'appropriation subjective, c'est-à-dire lorsqu'on a appelé, à mon avis, assez maladroitement la psychisation, maladroitement parce que la première trace, elle est psychique, enfin, elle a des effets psychiques. Ça n'existe pas, la non-psychisation. Par contre, la non-appropriation subjective, oui, ça veut dire que quelque chose est psychisé, c'est psychique, mais le sujet ne l'a pas fait sien. Ça, c'est une autre problématique. C'est une problématique subjective qui nous concerne. Voilà, ça, c'est la première des urgences. Et ça se voit très bien, alors, dès que vous travaillez sur les situations traumatiques. Parce que vous allez trouver des gens en situation post-traumatique qui sont dans l'échec de faire ce premier travail de saisie, ce premier travail d'emprise, et on va voir se mobiliser des mécanismes de défense extrême. Alors, mécanismes de défense extrême, bon, ben, ça peut être la panique, la fuite, les gens courent partout, n'importe où. Ça peut être, c'est quelque chose qu'on a. On est à un niveau pas très loin des mécanismes de défense biologique. Hein. Quand un animal est menacé par un prédateur, il part en courant, et puis, ma foi, si c'est un lapin contre un aigle, ça se termine pas très bien pour le lapin. Deuxième mécanisme qui est lui aussi d'un niveau quasi-biologique, c'est l'immobilisation. Et alors vous trouvez les gens en situation post-traumatique, ils sont là, ils sont hébétés, ils sont incapables de parler, ils sont complètement sonnés par ce à quoi ils sont arrivés, mais être sonné par ce à quoi on est arrivé, c'est ne faire que décrire un état de mise en panne de la vie psychique pour se saisir et s'emparer de ce à quoi elle a été confrontée. Ça, c'est la première urgence. J'en profite pour vous dire que les adeptes du débriefing qui disent « Ah, il y a une situation traumatique », alors on envoie des ordres de psychologues là et tout de suite, allez, faut débriefer la situation, ça donne des catastrophes. On a actuellement, ça a été un truc qui a été mis en place systématiquement à propos de la guerre du Vietnam, avec
des bataillons de psychiatres de toutes sortes et de psychologues de toutes sortes à l'américaine, hein, les psychologues, pas à la lyonnaise. Mais enfin, il y en avait plein, et dès qu'il y avait quelqu'un qui avait été pris dans une embuscade, 3-4 copains tués, etc., immédiatement, il arrivait, on le débriefait. Et alors là, ils sont extraordinaires, ils ont plein d'étapes de débriefing, etc. Bon. Le problème, c'est qu'on a du recul maintenant. Alors, le recul, il est terrible. C'est que les gens qui sont passés au débriefing s'en tirent beaucoup plus mal que les autres. Pourquoi ? Parce que la première urgence, c'est de se saisir de ce à quoi on est confronté, si c'est ça le préalable, et si on ne peut symboliser qu'une expérience qu'on s'est appropriée d'une certaine manière, on vient attaquer les gens au moment même où l'urgence pour eux, c'est d'arriver à retrouver le calme, la tranquillité, un minimum de sécurité, et c'est le moment où on les remet en permanence dans la situation traumatique. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de la logique du processus psychique. Alors, on peut faire des... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les psys s'en mêlent. Bien évidemment, il faut que les psys s'en mêlent, mais pas à la manière du débriefing. C'est-à-dire, nous avons à nous les emmêler pour faire vraiment ce qui, humainement, est la chose la plus élémentaire dans ces cas-là. Quand quelqu'un est en situation traumatique, premièrement, petit a, faire cesser la situation traumatique. Les aider à retrouver un certain calme, les aider à trouver une certaine sécurité. Et tant qu'il n'y a pas ce minimum de sécurité, il n'y a pas de travail d'appropriation subjective possible. Il n'y a pas de travail de symbolisation possible. On ne symbolise pas sous contrainte. Alors, quand on peut symboliser sous contrainte, enfin, je veux dire, les gens, ils racontent des choses, ils dessinent, les enfants, etc. Mais tout ça n'a pas de valeur appropriatrice parce que, précisément, une des conditions de la valeur appropriatrice, c'est la liberté. C'est intéressant, hein, ça. C'est pour ça qu'il y a de l'association libre. C'est pour ça que peut-être un des mots d'ordre essentiels de tous nos dispositifs, c'est liberté. Et que tout dispositif qui se prétend clinique et qui contient de un trop de contraintes, alors bien sûr, la liberté, c'est pas... C'est une liberté en situation, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Mais le mouvement, il doit partir du sujet. Ça, je crois que Winnicott a été extraordinairement éclairant là-dessus, sur le rôle de la spontanéité du processus. Et à un moment donné, et de la créativité du processus, et la créativité et la spontanéité vont de pair. Et à un moment donné, c'est le sujet qui doit décider d'une certaine manière, qui remet au travail ce à quoi il a été confronté. Nous ne pouvons pas le décider pour lui, nous ne pouvons pas le décider du dehors, mais nous pouvons lui offrir, alors là on tombe déjà dans le deuxième temps, nous pouvons lui offrir un espace de sécurité suffisant, en quelque sorte pour qu'il ne se sente pas trop menacé et qu'il puisse commencer à relâcher ses mécanismes d'emprise et ses mécanismes de défense pour remettre au travail quelque chose qui a été comme ça en panne ou en difficulté dans sa vie. Donc ça c'est le deuxième temps, c'est le temps où ça se signifie. Eh bien ce temps où ça se signifie, c'est un temps second. C'est un temps dans lequel le sujet s'étant emparé dans un premier temps de ce à quoi il a été confronté, il le réactive. Il se le présente de nouveau, il se le représente, il se le redonne. En allemand, toujours... Je prends beaucoup de risques, mais enfin, bon, j'aime bien. En allemand, c'est la Darstellung, la présentation. Et quand vous lisez l'interprétation des rêves en allemand, moi je ne l'ai pas lu en allemand, mais je connais des gens qui l'ont lu en allemand et qui m'ont certifié que c'était vrai. Quand vous lisez l'interprétation des rêves, vous voyez qu'à un moment donné, alors ça a été traduit, mal traduit à une époque par prise en compte de la figurabilité. Les Baudelaire ont fait tout leur rapport sur la figurabilité, mais le terme qui est utilisé par Freud, c'est la Darstellung, c'est-à-dire la présentation. J'ai vécu quelque chose, je me le présente. Mais vous voyez que je me le présente, ça veut dire je me le représente, parce que ça s'est déjà présenté une première fois. Ça s'est présenté dans mon expérience, dans un mixte dedans-dehors, et là je me le redonne, je me le représente, mais de moi à moi. Condition, et ça a des conséquences immédiates, mais immédiates sur notre boulot, des conséquences immédiates sur toute la question de nos dispositifs. La première, la condition fondamentale de nos dispositifs, c'est
offrir un espace de sécurité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un sentiment subjectif de sécurité suffisant, alors qu'on appelle la confiance par exemple, hein, mais vraiment j'insiste sur le terme de sécurité, c'est très étrange, à la grande époque où il y avait de la sécurité, etc., en travaillant avec leurs pairs, Jean Fatos m'a dit, écoute, fais-moi un petit topo sur la métapsychologie de la sécurité. Bien sûr, mon cher Jean. Bon. Alors j'ai commencé à regarder tous les dictionnaires. Pas d'entrée sécurité dans aucun dictionnaire de psychanalyse. C'est à la fois... C'est tellement fondamental, c'est tellement évident, que c'est même pas un concept. Mais c'est dommage que ce soit pas un concept, parce que parfois on oublie. On oublie que c'est la condition sine qua non. Si elle n'est pas là, alors quoi? Alors on fait du faux. Oh, les gens, ils peuvent toujours nous raconter des tas de trucs, hein, pourquoi pas. Mais ils ne vont pas engager quelque chose, comme on dirait, qui leur tient à cœur. Ils ne vont pas engager quelque chose qui les tient aux tripes. Ils ne vont pas engager quelque chose précisément de ce point énigmatique en eux. S'il n'y a pas de sécurité, alors on... Et on les comprend bien, parce que ça serait... Faudrait être complètement fou pour engager quelque chose d'aussi crucial et essentiel qu'un pan de son expérience subjective dans une situation qui risque de reproduire les conditions traumatiques. Il n'y a pas de sécurité, c'est ce qui risque de se passer. Donc autrement dit, donc ça veut dire aussi, si vous avez en premier entretien quelqu'un qui vous raconte tous ces traumatismes, etc., méfiez-vous. C'est qu'il est ailleurs. Ne vous frottez pas les mains en disant « Oh là là, j'ai un matériel clinique extraordinaire. » Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant ce qu'il raconte, mais ça veut dire qu'ils ne sont sûrement pas là. Ils ne sont sûrement pas là, et d'ailleurs ça commence comme ça avec la psychanalyse. Un jour, Freud il dit à Amy Fonen « Allez, racontez-moi, dites-moi ce qui vous vient à l'esprit, etc. » Sous hypnose, hein. Elle lui sort 40 souvenirs. À 3 ans, on m'a acheté des crapauds à la figure, à 5 ans, etc. Freud est complètement débordé, elle donne son explication à un moment donné, on lui a arraché une vingtaine de dents à un moment donné aussi à la pauvre dame, donc ça fait partie des souvenirs traumatiques. Elle dit l'essentiel, c'est « je vais tout vous donner, comme ça vous n'aurez pas à me l'arracher ». Mais le point qui est fondamental, c'est son vécu qu'on lui arrache quelque chose. Et celui-là, il est enfoui, puisqu'elle donne tout, on ne lui arrache rien. Donc ça commence comme ça, et vous savez, Freud complètement paniqué, il dit « non, j'efface tout », dit-il. Lisez, c'est dans la séance du 8 mai 1889, 8 mai des études sur l'hystérie, vous verrez, c'est la deuxième ou la troisième séance du Academy von Haen, et vous verrez, c'est tout à fait extraordinaire, cette dialectique d'un type qui devrait dire « formidable, j'ai regardé tous les souvenirs qui m'arrivent » et puis qui a une réaction, une très bonne réaction de clinicien pour le coup, qui dit « oh là 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 ». Vous savez, méfiez-vous, d'ailleurs vous verrez très bien, vous expérimentez que ces gens qui arrivent et qui d'emblée vous disent plein de trucs, ne reviennent pas. Et à ce moment-là, ça a fonctionné complètement, non pas dans une forme de « je dépose ceci pour le remettre au travail, mais je le dépose pour essayer de l'évacuer radicalement de moi ». Bon, alors ils ne reviennent pas, ou ils reviennent plus tard, ou ils vont en revoir un autre, et puis ils recommencent. Hein, bon. Donc ça, c'est le premier point, et c'est un point essentiel de notre dispositif, offrir un espace de sécurité. Alors c'est loin d'être évident d'offrir un espace de sécurité. Parce que ce n'est pas offrir un espace de sécurité intrinsèquement en soi, c'est offrir un espace qui est vécu comme un espace de sécurité pour le sujet que j'ai en face de moi. Ce n'est pas ma sécurité dont il s'agit, c'est la sienne. Et offrir un espace de sécurité pour le sujet qui est en face de moi, parfois, quand vous avez, regardez, vous avez un enfant autiste ou un enfant violé, etc., là, ils se sentent extrêmement menacés par toute la présence de tous les adultes. Donc autrement dit, il y a toute une mise à l'épreuve préalable, et ils vont nous mettre à l'épreuve pour savoir si nous sommes aussi fiables que nous paraissons l'être. Encore une fois, parce que l'enjeu est tout à fait considérable. Ce sont des enjeux de vie psychique qui sont derrière, ce sont des enjeux qui sont cruciaux pour l'identité du sujet, donc il ne va pas... c'est aussi toute la différence entre... Une conduite d'un entretien clinique, c'est un de nos problèmes avec nos grands amis psychiatres et nos grands amis infirmiers, il est souvent là. C'est que
leur manière de conduire un entretien va jamais amener le même matériel que la manière dont nous conduisons, nous, cliniciens, un entretien. Ce qui veut dire qu'on ne se comprend pas bien parce qu'on n'a pas, on travaille pas sur les mêmes bases. Si vous commencez en disant, non, Jean, alors vous dormez bien, vous prenez bien vos pilules avant de dormir, bon, d'accord, oui. Et alors vous dormez combien d'heures? Et alors pour manger, bon. Eh bien, vous pouvez être sûr que si vous avez commencé un entretien comme ça, il y a un certain nombre de choses qui n'arriveront jamais. Si vous avez un, bah, écoutez, je vous écoute, là, dites-moi ce qui est important pour vous. Ah, oui, c'est pas... Parce que dans le premier cas, on est dans une position qui est celle du sujet supposé savoir. Je sais. Je sais que si vous prenez bien vos pilules, vous avez plus de chances de dormir, si vous avez ceci, etc. Donc je suis, j'ai une position haute, hein, c'est comme si j'étais très très grand comme ça, puis je regardais un peu d'en haut. Hein, bon, alors, oui. Vous, créant une situation de vulnérabilité, c'est le but de la manœuvre. Il n'y a pas trop de transfert comme ça. Ça arrête un certain nombre de choses. Tandis que si vous êtes en position comme ça, à même hauteur, hein, en disant bah, je vous écoute, puis avec cette idée, cette implicite, nous partageons quelque chose de l'humaine condition. Parce que c'est aussi ça, quelque chose de la position clinique. Hein. C'est, si je vous propose de venir pour intégrer quelque chose. Bon, ça, c'est, si vous voulez, ça c'est contenu dans le prescriptif implicite de la psychanalyse, c'est qu'un psychanalyste doit avoir été psychanalysé. C'est-à-dire qu'il doit y être passé. Il doit avoir senti de dedans comment ça se passait. Donc, ben, c'est peut-être pas obligé de faire une psychanalyse, mais par contre l'implicite, il est là. L'implicite, il est là. C'est un partage d'expérience. Pourquoi ? Parce qu'une des caractéristiques des situations traumatiques, c'est qu'elles ont été vécues dans la solitude radicale. On ne symbolise pas ce qu'on a vécu dans une solitude radicale. Sauf si on a intériorisé une foule. Mais ça, généralement, quand on a intériorisé une foule, on ne va pas voir un psy parce qu'on se démerde bien avec la foule intérieure qu'on a. Hein. Il y a suffisamment de ressources dans la foule intérieure. Les gens qui nous arrivent d'une manière ou d'une autre, il y a tout le temps ce vécu de solitude par rapport à un certain nombre d'expériences. C'est-à-dire de solitude, ça veut dire comme si... C'est ça, d'une certaine manière, le dommage de la non-symbolisation. C'est que quand vous n'arrivez pas à symboliser une expérience, c'est comme si vous n'étiez pas comme les autres. C'est comme si ça vous mettait en dehors, d'une certaine manière, de l'humanité. Et le premier pas pour y revenir, c'est de rencontrer au moins une personne qui dit « Ah, je peux vous comprendre, ça me dit quelque chose de mon expérience à moi. » Et ça, c'est le partage émotionnel. C'est le partage affectif. C'est le fait de partager quelque chose de l'autre. C'est le symbolon, la définition, c'est en grec, c'est mettre ensemble. Ben, si on veut mettre ensemble, on ne peut mettre ensemble que des choses qui sont partageables, en quelque sorte, que des choses qui sont du même bois. Donc ce climat de sécurité, il ne va émerger qu'à partir du moment où il y a le sentiment chez le sujet qu'il peut partager effectivement avec nous quelque chose, une expérience innommable, quelque chose, une expérience traumatique, quelque chose, une expérience abjecte, quelque chose, une expérience qui d'une certaine manière l'a bouté en dehors de l'humaine condition, qu'il a donc dû refouler, cliver, forclore, contre laquelle il a dû se défendre, et s'il ne s'en est pas défendu, alors il décroche, alors il se sort lui-même de l'humanité, il se sort lui-même des conduites sociales, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des conduites antisociales, la conduite antisociale disant « je préfère être solidarisé avec les parties de moi qui sont énigmatiques plutôt que me solidariser avec cette société et mettre en dehors de moi ces parties énigmatiques ». D'abord, il faut être capable de pouvoir le faire. Quand la situation est une situation de sécurité suffisante, alors je dis bien suffisante parce que la sécurité totale, ça serait mortel. Alors, il y a bien un moment où, quand je me décide à tenter d'activer en moi, de présenter en moi et de présenter à l'autre quelque chose qui est un point tout à fait difficile et tout à fait douloureux, tout à fait... honteux, tout à fait avec des affects extrêmes, un point de souffrance en moi, quand je me décide de l'amener, il faut que la sécurité, je dis bien, soit suffisante. Mais il y a un risque quand même, là. Ben, le risque
C'est quoi? Je vous raconte une petite histoire que raconte Boris Cyrulnik, vous allez voir où est le risque. C'est l'histoire d'un gamin, peut-être c'est lui, parce qu'on sait qu'il lui est arrivé des choses comme ça, mais il dit pas que c'est lui dans son histoire. Il discute avec lui, il a pas voulu le dire. Mais moi je pense que c'est lui-même. On a à respecter l'intimité de Boris Cyrulnik aussi. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui échappe par miracle au camp de la mort, etc., et qui se retrouve... alors il échappe au camp de la mort, mais enfin il a quand même avant les camps de prisonniers, et puis un beau jour dans un trajet de train, hop, il arrive à sortir du train, il arrive chez des braves gens qui lui disent « Mon pauvre petit, mais t'as connu des horreurs », et ils sont formidables avec lui, ils s'occupent de lui, et de temps en temps ils disent « Mais alors qu'il raconte un peu ce qui s'est passé ?» Il ne veut rien dire. Un an passe, puis au bout d'un an, il vient nous dire maintenant, on se connaît bien. Et le gamin commence à raconter. Sauf que c'est tellement insupportable pour les gens à qui il le raconte qu'ils vont devenir sadiques. Ils vont lui réinfliger ce à quoi il a été confronté. Alors, vous voyez, on fait se présenter de nouveau l'expérience. Le problème, c'est quand on fait se présenter de nouveau l'expérience, bien, non seulement elle peut être revécue parce que je la présente de nouveau, mais elle peut être revécue aussi parce que l'effet que ça a sur l'autre est tout à fait... Enfin, on a travaillé sur l'élaboration des post-Shoah. À une certaine époque, avec des étudiantes qui étaient juives et qui étaient très travaillées par cette question-là. Alors, d'abord, ça a des effets sur les générations suivantes, mais... C'est pas des effets parce qu'ils racontent ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Au contraire, ils ne le racontent pas. Ils ont une espèce de caveau interne et ce caveau interne, il est fermé. Mais pourquoi il s'est fermé? Parce que quand les gens sont sortis des camps de concentration, ils ont commencé à raconter aux gens qui n'y étaient jamais allés ce qui s'est passé. Alors les gens n'y croyaient pas. C'était tellement horrible qu'ils ne voulaient plus entendre parler. Et d'une certaine manière. Un élément, quand même, absolument. Énorme sur ces questions-là. Mais je vous raconte ça parce que je vous dis, c'est risqué d'évoquer quelque chose d'une situation traumatique. En 1985, une psychanalyste française, mais juive, Janine Chesguès-Mirgel, lance à Berlin un grand congrès sur les effets délétères sur l'organisation psychique de la traversée de la Shoah pour soi ou pour la génération d'avant. Révolution, mais révolution dans le monde psychanalytique. Et alors là, il y a des gens qui découvrent que ils sont tous analystes, les gens qui sont là. Il y a beaucoup de juifs chez les analystes, hein. Il y a beaucoup qui ont été d'une certaine manière impliqués dans les histoires comme ça. Et ces gens découvrent qu'ils ont fait une première analyse et qu'ils n'ont jamais parlé de ce qui se passait dans les camps de concentration pour eux et pour la génération. Ils n'y ont jamais pas. Alors, peut-être qu'ils ont un peu essayé, peut-être qu'ils se sont aperçus que ce qui intéressait leur analyse, c'était la castration, la scène primitive et la séduction. La Shoah, on ne sait pas bien trop où la mettre là-dedans. Peut-être, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'après 85, il y a des dizaines et des centaines d'analystes juifs qui sont retournés sur le divan pour pouvoir enfin parler de ce qu'ils avaient enfoui, de la crypte qu'ils avaient constituée à l'intérieur d'eux-mêmes et qui avait... nécessairement un certain nombre d'effets délétères. Donc vous voyez, en parler, il faut avoir l'impression, en tout cas l'espoir d'être entendu, non seulement d'être entendu, mais d'être accepté, que quelque chose en soit partagé, qu'il n'y ait pas de rétorsion, qu'il n'y ait pas de représailles. Et les représailles, qu'est-ce que c'est dans ces cas-là? C'est le retrait. C'est le psy qui merde avec ces histoires d'anciens combattants, là. Quelque chose qui fait que ça reste l'être morte, au sens fondamental. Donc, il y a un risque. Donc, la sécurité, elle n'est jamais totale. Mais, on peut dire, une sécurité suffisante pour que le jeu, comme on dit, en vaille la chandelle, que ça vaille le coup de prendre le risque. Ça vaille le coup de prendre le risque de se mettre, enfin, à aborder quelque chose. Alors, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est une... C'est pas un point de vue classique en psychopathologie. Hein, un point de vue classique en psychopathologie, c'est les patients parlent, on a du matériel. Je vous parle pas d'une
d'une position diagnostique, je vous parle d'une position praticienne du soin. Une position praticienne du soin, c'est pas faire le diagnostic de quelqu'un en disant « Oh là là, il est dissocié, il a une schizophrénie, etc. » Ça, on s'en fout dans le soin. Par contre, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'un patient engage dans la relation avec moi. Qu'est-ce qu'il vient mettre au travail. Je vous rappelle qu'on est dans le chapitre, deuxième chapitre, après réalité psychique, deuxième chapitre, problème du transfert. C'est ça la question du transfert. C'est qu'est-ce qu'un sujet engage dans la relation avec moi. Qu'est-ce qu'il engage de non intégré de son histoire. Qu'est-ce qu'il engage de quelque chose qui est resté avec un potentiel énigmatique en lui. Pourquoi. Parce que si vous travaillez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous travaillez sur quelque chose dans lequel le sujet n'a pas d'enjeu, soit parce qu'il ne les a pas encore, soit parce qu'il ne les a plus, et qu'il n'en est pas là, c'est l'exemple de l'arrachage hein, des souvenirs tout à l'heure. Si l'enjeu c'est l'arrachage, je vous raconte, je peux passer comme ça des années à vous raconter, jamais l'enjeu fondamental n'arrive, parce que l'enjeu c'est ce que je ne vous raconterai pas et que je crains que vous veniez m'arracher, je crains que vous veniez deviner. Si l'enjeu il est là, alors moi je vous dis tout. Mais en vous disant tout, je ne vous dis rien d'essentiel. C'est-à-dire, je vous dis tout et vous ne pouvez rien faire de tout ce que je vous dis parce que le point sur lequel il y a une pertinence à intervenir et à comprendre quelque chose, c'est justement dans la manière de tout donner pour pas qu'on arrache. Et ça, je ne veux pas. Donc, ça, vous voyez, c'est comme ça qu'il y a une paralysie du processus. Alors, je veux dire éventuellement, Winnicott a encore de très très belles phrases là-dessus. Il dit, oh là là, l'analyse peut durer longtemps comme ça. Oh, puis après tout, si elle dure suffisamment de temps, le danger de suicide immédiat commence à être écarté. On a passé un pas trop mauvais moment ensemble. Le patient a dit quelque chose. Le psy s'est dit, oh là, je suis malin. Je fais une hypothèse là-dessus. Parce que, oh, ils sont complaisants, hein. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes intéressant. Ben, je reviendrai la prochaine fois. Bon. C'est-à-dire que. Et puis ça a duré pendant un certain temps, mais l'essentiel c'est, n'était pas là. C'est, ça peut durer dans la collusion comme ça pendant pas mal d'années. Non mais vous inquiétez pas trop. Hein, enfin, inquiétez-vous suffisamment quand même. Mais pas trop. Faut pas que ça vous empêche d'essayer. Alors, ça c'est le premier point, commentaire sur la question de la sécurité suffisante pour le sujet. C'est ce qui veut dire, parce qu'il veut dire qu'il va y avoir des mises à l'épreuve. Et moi je crois que ça c'est très très important, dans les débuts de rencontres cliniques, il y a une mise à l'épreuve. Parce que c'est pas parce qu'on a dit aux gens, ouais, moi je suis psy, ouais, j'ai même été formé à Lyon 2, je suis plutôt clinicien... Venez chez moi, vous allez trouver de l'écho. C'est pas parce qu'on va leur raconter tout ça qu'ils vont nous croire. Après tout, ce qui peut se passer au mieux, c'est qu'ils sont intéressés. Mais après, la deuxième question, c'est pareil avec les enfants. Hein. D'ailleurs, je vous signale les enfants aussi. Ils ne s'adressent pas aux adultes comme ça. Là. Et quand ils le font, c'est généralement, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de signaux d'alarme. Et quand un sujet a suffisamment de signaux d'alarme, c'est pas parce que je lui dis « tu peux être en confiance », etc., qu'il va l'être. Donc, il y a mise à l'épreuve. Et les mises à l'épreuve, elles peuvent être subtiles. J'essaye un petit truc, je regarde comment il réagit. Il y a une phrase tout à fait extraordinaire de quelqu'un qui est malheureusement un peu trop méconnu, mais qui est vraiment un monument de la pensée, qui s'appelle Georges Devreux. C'est un monument de la pensée ethno-psychologique, mais c'est aussi peut-être un monument de la pensée psychanalytique. Il ne faut pas oublier qu'il était psychanalyste. Il était à la Société psychanalytique de Paris, Devreux. Cette phrase est la suivante, l'observer observe l'observateur. On a dit une chose fondamentale et essentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient analyse le clinicien. Oh, c'est très très gênant comme idée là. Normalement c'est moi qui analyse l'autre. Hein. C'est, faut, ben oui, ben qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas empêcher non plus les patients. Alors comment ils font pour analyser les cliniciens? Ben, Vous posez des questions aux patients pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Eh bien, eux, ils font pareil.
sauf qu'ils ne nous posent pas de questions. Parfois, ils nous posent des questions. Vous avez des enfants, vous, vous êtes marié, qu'est-ce que ça a derrière c'est... Est-ce que vous pouvez comprendre mes problèmes de couple? Vous êtes marié, vous, vous avez des enfants. Est-ce que vous pouvez comprendre mes problèmes de parents? C'est toujours ça, la question qui est derrière. C'est, est-ce que vous pouvez me comprendre quelque chose de moi? Mais bon, ils ont vite compris qu'il ne faut pas se poser de questions. Bon. Alors, ils vont les poser autrement, la question. Ils vont faire une mise à l'épreuve. Et cette mise à l'épreuve, c'est... Alors, ça, c'est des classiques, hein. Mise à l'épreuve du cadre. Malheureusement, on le travaille mal, ça. On travaille en termes de... Ils attaquent le cadre. Mais non! Ils attaquent pas le cadre. Ils cherchent à savoir s'il est solide. Bien sûr, si vous voulez savoir si quelque chose est solide, il faut le pousser un petit peu. Mais le but de la manœuvre, c'est pas d'attaquer. C'est pas de la destructivité. C'est pas de la méchanceté. C'est pas de l'anti-travail. C'est... Il faut s'assurer de la solidité de ce sur quoi on va s'appuyer. Hein, ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait important. La promptitude avec laquelle on interprète en termes négatifs ce que font les patients est quelque chose qui m'a toujours sidéré. On n'a pas de bienveillance. C'est quand même un précepte tout à fait important. Il faut écouter les gens avec bienveillance. Il ne faut pas les écouter tout de suite en disant « Mais qu'est-ce qu'il veut manipuler ?» Écoutez ce qui se dit dans les services. Il va nous manipuler, il nous instrumentalise. Voilà. Si on disait, il nous manipule, mais bien sûr qu'il nous manipule, et s'il veut me faire partager quelque chose de son expérience, il faut bien qu'il agisse sur moi. Autrement, comment voulez-vous qu'il fasse partager quelque chose de son expérience s'il n'agit pas sur moi? Mais c'est pas la même connotation, si vous voulez, de la manipulation. Quand on dit quelqu'un nous manipule, c'est qu'il doit être pervers, peut-être même pervers narcissique, ça c'est la pire des choses. C'est l'insulte suprême actuellement qui court partout, pervers narcissique. Vous allez voir, dès que vous ouvrez un cabinet privé, vous allez voir 15 personnes qui vont venir dire « Mon conjoint, pervers narcissique. » Ouais. Pourquoi insulter les gens? C'est une insulte, hein, pervers narcissique. Est-ce que ça nous intéresse beaucoup d'insulter les gens? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de comprendre quel est l'enjeu? Et alors là, si vous dites « Mais l'enjeu... Ben, » on a fait là récemment, avec Nogueli Rabhi au CRIAS, une intervention sur les modèles d'intelligibilité de la criminalité. Ça, c'est un problème intéressant, c'est chaud, là. Hein. Vous avez des criminels, des gens qui ont violé, ils ont fait des saloperies, comme ça, ces gens. Et après, il y a le problème, comment on a une position clinique avec ces gens-là, hein. Alors, bien évidemment, la pente naturelle, c'est des pervers. Et c'est aussi la pente juridique. Hein, moi, je me suis trouvé engagé comme expert comme ça dans un procès. On me demandait, l'avocat général avait dit, c'est une violence gratuite. Et l'avocate m'avait demandé d'intervenir en disant, essayez de leur expliquer que la violence n'est jamais complètement gratuite, qu'il y a des enjeux. Et parfois, c'est des enjeux de vie ou de mort. J'ai été commis pour essayer d'expliquer ce que c'était que la violence fondamentale avec les enjeux qui étaient derrière. Mais je sentais que toute la pente, si vous voulez, de tout le personnel juridique et autres qui était là, c'était de dire, alors on va voir s'il est très pervers, un peu pervers. C'est ça l'idée d'une violence gratuite, mais gratuite pourquoi? Si, gratuite parce que ça lui fait plaisir, c'est ça le gratuit. C'est une violence pour le plaisir. Voilà la notion de gratuité. Quand vous voulez sauver votre peau, ça s'appelle légitime défense. Voilà. Ça va un peu mieux, mais si c'est pas légitime défense, alors c'est gratuit. Ou alors c'est, vous en voulez à son argent, ça c'est moins gratuit, quoi, parce que c'est pas la violence, c'est vous le tuez, d'accord, mais ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'argent. Bon. Mais alors que là, il n'y avait pas de problème d'argent, donc c'était violence. Vous voyez, ces enjeux-là sont tout à fait... Bon, vous comprenez qu'avec une position comme ça, on ne peut pas faire de la clinique. C'est pas possible. Si la personne qui est en face de moi, alors bien sûr, on est des humains comme les autres. Bon, quand ils commencent à nous raconter, bon, je pense à un patient qui avait tué à coup de poing, en massacrant. Moi, c'est pas ma tasse de thé habituelle. C'est faut encaisser. Parce qu'on le prend comme autant de coups de poing. La narration de. Du massacre de l'autre, c'est autant de coups de poing qu'on prend dans la gueule. Bon, oui, après, donc il faut arriver à rétablir une position clinique, mais ok, ça c'est les difficultés du métier. Si on veut pas ces difficultés là, faut faire autre chose, parce que faut en tout cas sûrement pas aller travailler dans les prisons, parce que quand on va travailler dans les prisons, on est confronté à cette question du début à la fin,
du moment où on rentre, où les clés s'ouvrent, les portes s'ouvrent jusqu'à la fin, tout l'univers carcéral vous parle de danger, de sécurité, de clés, etc. C'est pas la sécurité dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est votre sécurité à vous. Et puis même, vous êtes fouillé, on vous passe, est-ce que vous avez des armes ? Enfin, vous voyez, on rentre dans un monde quand même très, très... C'est pas les mécanismes de défense interne, c'est le pistolet éventuel. Voilà. Bon. Donc, il ne faut pas faire ce métier, en tout cas, pas le faire là. On peut faire pratiquer la psychologie ailleurs, hein, que dans les prisons. Mais si on choisit ça, alors la question centrale, c'est de quel concept j'ai besoin, de quel mécanisme j'ai besoin pour pouvoir être clinicien en face de ces sujets-là. Et être clinicien, ça suppose une... Et c'est là où on voit combien c'est compliqué. Ça suppose une suffisante bienveillance. Et une suffisante bienveillance, ça veut dire que je ne prends pas l'autre au plus mauvais de ce qu'il me dit. J'essaye de le prendre à son meilleur. Bien sûr qu'il y a des trucs compliqués qui sont des mécanismes pervers qui se mêlent à tout ça. Mais si je suis obnubilé par la question de la perversion, je n'entends plus les autres enjeux. Et puis, quel est l'enjeu de la perversion ? Est-ce que c'est, comme Freud l'a pu le penser dans un premier temps, un résidu de petit enfant qui n'aurait pas bien grandi et qui serait resté dans une perversion polymorphe qui serait telle que, quand il est devenu adulte, il resterait pervers polymorphe ? Est-ce que c'est ça la perversion ? Ça, c'est les pensées jusqu'en 1915, jusqu'en 1916. Ça fait un siècle. Après, Freud a dit, attendez, peut-être que derrière la perversion, il y a des expériences traumatiques. 1927, les hypothèses sur le fétichisme. Un trauma. Et il y revient en 1937-38, dans lequel je vois dans le processus de défense. Non seulement un trauma, mais une déchirure interne. Ah bon, on comprend un peu mieux qu'ils déchirent les autres parce qu'ils sont eux-mêmes déchirés. Enfin bref, vous voyez, on rétablit la possibilité d'avoir une certaine empathie avec eux. Je ne suis pas en train de dire ça excuse quoi que ce soit. Je ne suis pas en train d'être là dans un procès. Je suis là dans un processus d'écoute clinique. À quel compte je peux écouter cliniquement ces gens ? Eh bien, si je peux les écouter cliniquement, c'est au compte d'avoir une position dans laquelle j'essaye de prendre ces patients à leur meilleur, c'est-à-dire de voir en quoi leur crime, quel qu'abject qu'il soit, c'est une tentative pour essayer de formuler, d'exprimer, de mettre en scène, de mettre en forme quelque chose d'un point énigmatique de leur histoire, d'un point... Et je les prends au sein d'un processus de symbolisation. Donc ça, c'est la première question. Donc, présentation, oui, Darstellung, ok. Je me représente, mais après, et pour ça, j'ai besoin de sécurité. Et deuxième question, je me représente, mais comment ? C'est-à-dire, cette Darstellung, cette manière de se présenter à nouveau, ce à quoi j'ai été confronté, elle va prendre différentes formes. Il n'y a pas de problème, de toute façon... La symptomatologie est toujours la trace d'un événement historique ou d'un système historique qui fait que je n'ai pas pu intégrer ce à quoi j'étais confronté. De toute façon, il y a toujours une trace d'histoire dans le symptôme. Vous vous souvenez de cette première formulation de Freud ? L'hystérique souffre de réminiscence. Qu'est-ce que c'est que la réminiscence ? C'est le retour d'un événement de l'histoire qui ne se présente pas totalement sous la forme d'un souvenir, mais qui se présente quand même sous la forme de quelque chose qui a été quand même suffisamment travaillé pour que ça se donne comme une représentation. Hein, c'est comme la réminiscence, c'est comme si je remâchais quelque chose, mais c'est déjà mâché. Je remâchais quelque chose que j'arrive pas complètement à digérer, mais c'est quand même prédigéré. D'accord. La réminiscence s'accompagne d'une reviviscence. C'est-à-dire qu'un événement de mon histoire qui me hante, qui me revient, il me revient avec les caractéristiques affectives de l'époque, de son advenu ou de son enregistrement. Il y a un certain nombre de nos émotions qui sont des reviviscences. Je pense en particulier
à des situations qu'on m'a rencontrées en clinique. Je vous donne deux, trois échantillons comme ça pour que vous puissiez vous représenter ce que je veux dire. Je vois une patiente. Bon, je ne peux pas en dire grand-chose parce que elle écoute mes podcasts et tout ça. Donc bon. Mais il y a une caractéristique qu'on a pu constater l'autre jour, c'est qu'elle bute sur quelque chose qui est très très compliqué par rapport à son père. Maintenant, elle a 50 ans. Son père, elle s'en fout. Enfin, si je puis dire. Enfin, elle n'arrive pas à s'en foutre, mais elle devrait pouvoir s'en foutre. C'est un vieux monsieur. Elle a le même vécu d'impuissance à son égard à lui qu'elle avait quand elle avait 3 ans, 4 ans. Voilà la reviviscence, l'affect d'impuissance éprouvé dans l'enfance et qui est complètement compréhensible dans l'enfance. Parce qu'effectivement, à moins de dire « Écoute, papa, tu me casses les pieds, je prends mon baluchon, je pars à 3 ans, 3 ans et demi, c'est un peu difficile. » Elle est coincée. Donc le sentiment d'impuissance, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Elle doit se plier, elle doit se soumettre. Mais maintenant, elle est plus dépendante ni physiquement, ni matériellement, elle est plus du tout. Et pourtant, elle l'a vu comment ? Elle l'a vu parce que sa fille, dont le père est toujours aussi insupportable, son père, et il emmerde son adolescente, qui est la fille de la patiente. Il l'emmerde, il lui coupe la parole, etc. La gamine se rebiffe. Il lui file un coup. La patiente est complètement sidérée. Elle aurait jamais. Elle ne peut pas faire ça. Et alors, d'un seul coup, son sentiment d'impuissance lui apparaît. Et il ne lui apparaît pas comme quelque chose que tout le monde aurait, mais bien comme quelque chose qui la concerne, elle. Mais ce sentiment d'impuissance, vous voyez, ça fait d'emblée basculer sur son vécu d'impuissance infantile. Donc il y a un certain nombre d'affects. Par exemple, les affects de désespoir, dans la mélancolie, etc. Quand on les rencontre, bien sûr que le sujet, il est désespéré. Mais il est surtout désespéré d'événements qui se sont passés il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et qui sont encore intacts en eux. Quand Freud dit l'inconscient ne connaît pas le temps, je pense que c'est approximatif. C'est pas vrai que l'inconscient ne connaît pas le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont transhistoriques. Nos événements traumatiques, ben vous verrez, les gens, ils racontent leur père est mort il y a 15 ans, il y a 20 ans, ils commencent à l'évoquer, ils sont là, ils sont arrivés tout guillerets, il y a quelque chose qui les ramène du côté de la mort de leur père, ils commencent à raconter, ben ils sont en larmes, c'est comme si le père venait de mourir. C'est intact, l'affect, la reviviscence. Et alors, quand je pense à une autre patiente qui a eu... elle a eu des opérations à répétition quand elle était enfant, et bon... Alors là, elle a des douleurs corporelles et les médecins disent « mais on ne voit pas ce qu'il peut y avoir ». Et moi, je fais l'hypothèse que ces douleurs sont des douleurs qui viennent d'hallucinations de ses expériences infantiles. Je ne l'ai pas dit, c'est mon hypothèse à moi. Elle n'écoute pas les podcasts. Je vais en dire un peu plus. Donc, cette gamine, elle a eu des opérations à répétition avec des anesthésies. Plus ou moins partielle, avec toutes les problématiques des aides. Quand elle est en séance, d'un seul coup, elle a des douleurs qui lui reviennent comme ça, d'un peu partout. Voilà, c'est-à-dire un retour hallucinatoire d'expériences qui n'ont jamais été intégrées. Pourquoi ? Parce qu'en plus, sa mère se sentait horriblement coupable d'avoir fait une fille qui était un peu toute guingois, un peu tout mal foutue, et qu'il fallait emmener de docteur en docteur, etc. Donc, maintenant, la mère peut lui dire qu'elle se sent coupable, mais à l'époque, elle disait « Ma fille, c'est nécessaire, il faut que tu fasses ça. » Et hop, vas-y. Et la gamine, elle était dans son désarroi. Ouais. Elle raconte à un moment donné que quand elle part dans l'ascenseur pour aller sur le billard, sa terreur d'enfant, elle sait pas où elle va, elle sait pas ce qu'on va lui faire. Elle n'a pas les moyens de se dire, c'est extrêmement compliqué de dire on va te faire très mal, mais c'est pour ton bien. Déjà pour un adulte, c'est pas si évident que ça. Il n'y a qu'à se balader chez les dentistes, aller voir les piqûres des infirmières, puis on va voir le nombre de gens qui tombent dans les pommes, etc. Bon, alors on voit bien que c'est pas évident pour des adultes. Alors imaginez pour un enfant de 3 ou 4 ans ce que ça donne. C'est extrêmement compliqué. À moins qu'il ait déjà organisé une belle petite perversion et qu'après tout, il dise « Ah, on va me faire mal. Je suis le héros. » Donc, comment ça revient ? Est-ce que ça revient sous la forme de souvenirs ? Ça arrive aussi, heureusement. Parce
que vous me dites, ça me fait penser qu'un jour, mon père a fait ceci, cela et cela. À ce moment-là, c'était présent, c'était en train de s'actualiser, ça se présentait, mais quand même, chez un sujet qui est suffisamment âgé pour avoir constitué ça en souvenir, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Le retour du refoulé, croyez-moi, dans vos cliniques, vous n'allez pas en avoir des kilos. Hein. Et puis vous avez la réminiscence, la reviviscence, alors cette fois pas trop sous forme de retour du refoulé, mais sous forme d'une réactualisation. Alors ça, vous l'avez dans le passage à l'acte, parce que l'acte, il porte un pan de l'histoire. Quand on s'est penché sur les scénarios de suicide, c'est intéressant parce qu'on a un scénario de suicide et il y a souvent, très souvent, à peu près tout le temps, mais ça passe pas tout le temps, c'est pas tout le temps visible, sensible, mais il se tue pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi, pas dans n'importe quel contexte, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein d'indices de subjectivation. C'est un acte d'expression de suicider, d'une certaine manière. Quand on se penche sur ces scénarios-là et qu'on a quelques éléments de l'histoire du sujet, qu'est-ce qu'on s'aperçoit que c'est saturé de fragments de leur histoire, condensés en quelque sorte, mis en scène. C'est comme si, à travers la mort, il y avait quelque chose qui tentait de rassembler toute une série de pans de la vie, et alors plus les appareils psychiques sont sophistiqués, et plus cette mise en scène, ce scénario est complexe et intéressant. C'est pareil pour les scénarios de meurtre. Alors, pas tous, mais quand les meurtres sont un peu combinés, regardez Colombé ou Colombo, vous allez voir combien Colombo, c'est formidable. L'ancien Colombo, le nouveau, je trouve que c'est moins net. Mais l'ancien Colombo, on voit, c'est une construction tout à fait considérable. Chaque meurtre est une construction. Et alors, bien sûr, une construction, ça laisse des traces, ça laisse des indices. Et ça, c'est l'art de Colombo d'essayer de voir quelles sont les traces et les indices laissés et les détecter pour arriver à la solution finale. Il y en avait un autre dans le temps, c'est Bourrel. Et il a mis 5 dernières minutes. Alors lui, c'était vraiment le... Ah, mais oui, c'est bien sûr. Donc comment ça revient? Et puis, dernière manière dont ça revient, donc vous voyez, une manière où ça revient sous forme de souvenir. Quand ça revient sous forme de souvenir, ça revient sous une forme qui est subjectivée. C'est comme si le sujet me disait, je l'avais oublié, mais maintenant je me souviens, donc c'est une représentation interne, je me souviens qu'il m'est arrivé telle chose ou qu'il s'est passé telle chose, ou il y a tel détail que j'avais oublié qui me revient. La réminiscence, ça revient sous une forme représentative, mais pas complètement consciente, pas complètement subjectivée, et c'est l'écho que nous pouvons lui apporter qui fait que ça se subjective. Dernière forme dont ça revient, c'est sous forme hallucinatoire. Et là, c'est la ligne des délires, c'est la ligne des moments psychotiques, c'est la ligne des éléments psychosomatiques, c'est la ligne de l'antisocialité. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous vous penchez sur les qu'on appelle les passages à l'acte, on s'aperçoit que cet acte est une actualisation d'un pan du passé du sujet qui revient sous une forme hallucinatoire en lui. Et alors là, j'étais votre attention sur une particularité qui vient de... sur une difficulté qui nous vient là encore de la rencontre entre notre langage de clinicien et un langage qui n'est pas un langage de clinicien mais qui est un langage de la psychiatrie ou de la psychopathologie, c'est qu'effectivement, quand on théorise l'acte du côté de la psychopathologie ou de la psychiatrie, on va parler d'un acte de décharge. On va parler d'un acte comme évacuation. On va parler d'un acte comme tentative de mise au dehors d'un trou d'excitation non gérable dedans. Quand on l'aborde d'un point de vue clinique et d'une clinique analytique, on va entendre comment l'acte tente d'exprimer quelque chose, non pas de simplement l'évacuer. Bien sûr, l'évacuer aussi, mais l'évacuer en direction d'un autre, de façon à ce que, d'une certaine manière, quelque chose de son histoire non intégrée soit entendu. Donc les actes sont porteurs. Ils sont porteurs de messages. Et c'est pas simplement n'importe quel passage à l'acte. C'est un passage à l'acte qui est tout le temps signifiant. Alors, bien sûr, ils sont signifiants plutôt au début qu'à la fin.
Parce qu'à force de ne pas être entendu, il y a un processus de désignification qui se met en place. Il y a un si vous voulez, un acte, c'est un processus qui est, quand ça se passe à l'adolescence, qui est potentiellement génératif. C'est une provocation. Une provocare, c'est quelque chose qui pousse à parler. C'est ce que ça veut dire, hein. Là, je traduis. Donc, un acte, c'est une provocation, c'est-à-dire que ça pousse le sujet et l'autre à qui il s'adresse à parler. Bien sûr, s'il est traité au karcher et pas entendu, au bout d'un moment, la provocation va se durcir, elle va dégénérer, c'est-à-dire qu'elle va perdre son pouvoir potentiellement génératif de symbolisation. Et c'est pour ça que, si vous voulez, quand les propositions de Winnicott sur l'antisocialité, par exemple, ça marche très 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 bien dans la clinique des adolescents antisociaux, si vous prenez un agrégé en délinquance qui a fait une dizaine d'années de normal sud prison, et qui connaît donc tous les rouages, etc., qui a véritablement structuré un très haut niveau de délinquance, vous êtes devant quelque chose qui est complètement différent. Pas totalement, parce qu'on peut penser que le sens initial ne se perd jamais totalement, mais en tout cas c'est tellement recouvert de tas de lois du milieu, de règles, etc., de gangs, de groupes, que c'est beaucoup plus difficile à s'y reconnaître. Et donc, mais même quand on voit, on a travaillé à différentes entreprises avec Martine Edroza sur des criminels, je vous parle de crimes aujourd'hui, hein, c'est le cas. Sur des criminels qui sont des criminels en série, des tueurs en série, comme on les appelle. Alors pas du tout dans une optique de profiling, hein, mais bien dans une optique de clinique en quelque sorte. Eh bien, chez ces gens-là, quand on arrive à avoir un certain nombre de données, parce qu'ils au long du procès, dans les entretiens avec les psys, ils parlent quand même, ces gens. Et on a donc un certain nombre de données cliniques sur ce qui peut se passer en eux. Même chez ces gens-là, qui pourtant ont tué et tout ça, on arrive à trouver un certain nombre de points d'intelligibilité de quelque chose de leur histoire. Donc autrement dit, est-ce que ça disparaît complètement? À mon avis, non. Il y a bien des traces, sauf que c'est considérablement compliqué. Alors c'est aussi le problème de la symptomatologie en général, ça. Quand vous prenez un symptôme à l'état naissant, le petit Hans, ou quelque chose comme ça, avec un gamin qui a 4-5 ans, un symptôme à l'état naissant, quand vous travaillez, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les enfants, bah, assez vite, si vous avez un peu d'oreille, vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Ce même symptôme, traversé par la période de latence, l'adolescence, un premier mariage, un deuxième mariage, une rupture, un chômage, vous arrivez à 40 ans, vous rendez compte de tout ce qu'il faut déblayer avant de retrouver le sens initial. Et on va faire ce qu'on appelle un travail de perlaboration, c'est-à-dire faut commencer par creuser, il faut commencer par déblayer tous les bénéfices secondaires, tous les effets secondaires qui se sont mis en place. Alors quand vous voyez effectivement les patients avec 20 ans de psychiatrie derrière eux, dire qu'arriver à retrouver la fraîcheur, surtout qu'en plus on n'a aucune histoire. Hein. Quand vous regardez les dossiers en psychiatrie, vous essayez de savoir comment ça s'est passé à la première hospitalisation du patient. Vous avez trois lignes, il arrive, il est très agité, etc., etc. On lui donne des méthylmesinants à haute dose, etc. On le revoit plus une semaine plus tard, il est plutôt calmé. Puis après vous avez, il revient deux années après, il a une histoire avec son voisin. C'est pauvre pour arriver à comprendre. La représentation dans nos hôpitaux qu'on peut se faire de l'histoire clinique de sujet, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. À quel point, ça montre à quel point ils n'ont pas été écoutés. Et c'est pas mis parce qu'il y aurait un secret de la consultation. Parfois ça existe. Il y a des psychologues qui disent, ou des cliniciens qui disent, moi je. C'est, ce qu'il me dit, c'est entre nous, donc je ne l'écris pas. Mais là, c'est quand même dans les accueils. On pourrait penser qu'il y a une anamnèse un peu minimum, quand même. Alors, j'en étais à dire, donc, autre mode de réactivation, le mode hallucinatoire. Idem concernant les symptômes psychosomatiques.
les symptômes psychosomatiques, il y a une espèce de difficulté dans l'histoire de la conception de la psychosomatique. En tout cas de la psychosomatique française, parce que c'est un peu moins net dans certains aspects de la psychosomatique, par exemple en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Mais une notion qui était prévalente à l'époque, c'était qu'on identifiait hallucination et réalisation hallucinatoire du désir. Réalisation hallucinatoire de désir, ça vous conduisait aux représentations fantasmatiques. Et donc, quand on a écouté les patients psychosomatiques, on a dit non, ils sont opératoires, il n'y a pas chez eux de traces de processus hallucinatoire parce qu'il n'y a pas chez eux de traces de fantasmes. Et l'affaire a été close, d'où les aphorismes, le symptôme psychosomatique est bête. Et bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de potentiel symbolique. Oui, mais ça, c'était parce qu'on avait assimilé hallucination et réalisation hallucinatoire du désir. Or, la réalisation hallucinatoire du désir, c'est un cas particulier des processus hallucinatoires. Mais si vous lisez, par exemple, la fin de construction en analyse chez Freud, la dernière partie de construction en analyse, Freud est en train de dire c'est un peu gênant, on espérerait bien avoir plein de souvenirs qui reviennent des analyses, il faut reconstituer le passé des années oubliées, enfin, des années refoulées, etc. Et on serait content vraiment si l'analyse arrivait à avoir une très très bonne représentation de toute l'histoire de la subjectivation du patient. Voilà en gros la position de Freud, il dit mais ça marche pas comme ça. Et là, Freud dit, oui, non, mais après tout, on s'en fout un peu, parce que ce qui compte, c'est la conviction. Et la conviction, parfois, ça revient sur des événements qui ne sont pas du tout des événements... par exemple, c'est pas un souvenir important qui revient, mais ce sont des impressions qui reviennent avec une caractéristique particulière qui sont excessivement claires. Je vous dis de mémoire, hein, je ne l'ai pas révisé. Donc il y a peut-être des approximations, mais je ne dois pas être très loin de la vérité. Et là, il se dit, mais non d'un chien, ces perceptions, ces souvenirs qui reviennent, des souvenirs anodins, pas très importants, mais avec un élément particulièrement excessivement clair, ça lui fait penser à l'hallucination. Et le texte bascule, c'est extraordinaire dans ce texte, le texte bascule, il dit, mais au fond, est-ce que ça ne serait pas ça la clé de la problématique psychotique? Et là, il avance l'hypothèse suivante. Les hallucinations des patients psychotiques réfèrent à des événements de leur histoire à une époque où le sujet savait à peine parler, c'est-à-dire il réfère en gros aux deux premières années de la vie, les éléments hallucinatoires. Il s'en explique un peu plus tard quand il est à Londres en disant faiblesse de la synthèse. Autrement dit, les expériences précoces vont se répéter et se répéter de manière hallucinatoire parce qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer, qu'elles n'ont pas pu s'intégrer parce que le sujet avait une organisation psychique trop immature. Et on peut ajouter parce que son environnement n'a pas étayé suffisamment dans l'intégration de ses expériences. Alors ça veut dire quoi? Et alors après il continue. Et alors il continue sur quand même quelque chose qui mérite aussi qu'on s'y attarde une minute, sachant qu'un grand nombre d'entre vous sont confrontés à soit des processus psychotiques, soit des processus analogues aux processus psychotiques. Et Freud continue en disant, d'une certaine manière, on a fait fausse route avec la psychose. On a fait fausse route en cherchant, en quelque sorte, en quoi la psychose, c'était une réalisation de désir. Et il dit, on ferait mieux de fonder le traitement sur le fait de reconnaître avec le patient, dit Freud, le noyau de vérité historique qu'il y a à l'intérieur de son délire, de son hallucination. Quand je vous disais de le prendre à son meilleur, voilà, ça c'est le prendre à son meilleur. On dit, voilà, oh là, il est complètement délirant. Ah oui, il est complètement délirant, donc tout est disqualifié. C'est délirant, ça ne veut rien dire. Eh bien, Freud dit, si, il y a un noyau de vérité, il faut... Alors, il ajoute, une fois déguisé de ses appuis sur la réalité actuelle, donc il faut dédéguiser en quelque sorte le noyau de vérité historique, parce qu'il s'est déguisé dans la réalité actuelle. Et là, vous avez une théorie du délire. Qu'est-ce que c'est qu'un délire? C'est un noyau de vérité historique qui se déguise dans la réalité actuelle.
Moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de cliniciens qui entendent cette proposition de Freud. Parce qu'elle est quand même très, très oubliée. Et vous voyez que ça fonde sur... Alors, d'abord, ça fonde sur quelque chose qui est tout à fait fondamental. C'est que c'est pas le clinicien qui sait, c'est le patient qui sait, mais il sait pas qui sait. Et nous, nous avons à l'écouter, à la recherche de ce qu'il sait, de ce qu'il sait de sa souffrance, de ce qu'il sait des expériences traumatiques, de ce qu'il sait qui l'affecte, de ce qu'il sait sans savoir qu'il le sait, parce que c'est déguisé, parce qu'il l'a déguisé, parce qu'il se l'est déguisé, parce que peut-être qu'il n'a jamais pu se le représenter véritablement, se le représenter symboliquement. Donc, ça revient. Sous la forme de retour du refoulé, sous la forme du retour de clivé, de dénié, et sous la forme de retour hallucinatoire. En psychosomatique, c'était l'exemple que je prenais tout à l'heure, en psychosomatique aussi, on a dit « Oh là là !» Puis alors ces patients en psychosomatique, ils évitent les représentations psychiques, ils sont dans la perception. Et alors, sans arrêt, vous voyez ça dans les poncifs, en quelque sorte, de la psychosomatique. Cette espèce d'idée que c'est bête parce que c'est pas symbolique. Sans penser qu'effectivement, peut-être que ce qui revient, ce sont des éléments de perception. C'est-à-dire, au fond, l'hallucination d'une brûlure brûle. Alors ça, on sait qu'on peut le faire. J'ai bossé à un moment donné sur les problématiques hypnotiques et on travaillait avec l'équipe de Chertok, qui était un des grands hypnotiseurs 20e siècle. À l'époque où je retraçais toute l'histoire de la construction du cadre psychanalytique, donc j'étais obligé d'aller chercher du côté de la préhistoire hypnotique et j'ai lu tous les grimoires préhistoire hypnotique, ce qui fait que j'étais un bon en préhistoire hypnotique, le magnétisme animal, la concentration mentale, l'hypnose, enfin, tout ça. Je connaissais bien le somnambulisme artificiel. Alors, avec Chertok, on a l'expérience suivante. Vous prenez un sujet lambda, normal, vous prenez une pièce, à l'époque c'était des pièces de 5 francs, il fallait qu'elle soit un peu grosse quand même, et vous mettiez un sujet sous hypnose, vous lui posiez la pièce sur la main, et vous lui dites « Attention, elle est brûlante !» et vous lui enlevez tout de suite, parce que eh bien, ce que vous regardiez, c'était que la peau où vous aviez posé, la pièce était à température normale, hein, la peau commençait à brunir, vous montriez cette plaie à un dermatologue, il disait ça, c'est une brûlure du deuxième degré, pas troisième, premier, deuxième degré. L'hallucination de la brûlure brûle. Ça mériterait qu'on s'y arrête du côté de la psychosomatique. Hein, peut-être qu'il y a là des clés. Or, les états hypnotiques, les états hypnoïdes, les états, etc. Maintenant, on a, depuis les années 1995, les travaux de Vertemer, de Jouvet, d'un certain nombre de gens, on a, parce qu'il y a eu à un moment donné un grand engouement sur la question d'hypnose, et les gens se sont dit, on va savoir si ça existe ou pas. Alors, ils se sont mis à calculer comme ils font, très bien. Vous calculez la consommation de glucides, de protides, d'oxygène, de tous les états du cerveau, et vous découvrez qu'il y a l'état de veille, celui qu'on connaît, l'état de sommeil, celui qu'on connaît aussi, et puis il y a un état intermédiaire. Et dans cet état intermédiaire, il y a un certain nombre de propriétés tout à fait particulières. Or, cet état intermédiaire, c'est l'état hypnotique. Donc autrement dit, il y a des particularités du fonctionnement neurobiologique sous hypnose. Et on peut penser, le grand modèle de l'hypnose, c'est le modèle de la relation mère-bébé. Mais l'hypnotiseur, c'est le bébé, c'est pas la mère. Hein. Et les mères sont, ce que Winnicott a théorisé sous le nom de préoccupation maternelle primaire, c'est une espèce d'état hypnotique dans laquelle la mère est. Et qu'est-ce qu'on voit? De la même manière que l'hypnotisé est réceptif à tous les ordres de son hypnotiseur, de la même manière, la mère est réceptive à tous les signes qui viennent de son bébé. Alors vous êtes dans une pièce, il y a une jeune mère, elle a couché son bébé à côté, vous êtes en train de discuter, vous buvez le champagne, vous êtes content, etc. Et d'un seul coup, la mère dit « Ah, il pleure !» Personne n'a rien entendu, mais la mère a entendu.
pas parce qu'elle a une ouïe particulièrement, encore qu'il y ait une régression du sensorium pendant la grossesse qui crée une espèce d'aptitude hypersensorielle chez les mères. Mais c'est pas pour ça. C'est parce que elle sélectionne à travers le bruit de tout ce que nous percevons, tous les signes qui sont en provenance de son bébé. Et heureusement, parce que c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir avoir des comportements d'ajustement et être en quelque sorte en synchronie avec le bébé. Bon, je suis bavard. Hein. Je raconte. Alors, donc ça c'était le premier concept sécurité, deuxième concept retour, présentation de l'expérience traumatique sous différentes formes selon les modalités psychiques. Et je terminais sur quelque chose qui était le retour hallucinatoire déguisé. Hein. On peut le dire d'une autre manière. Et ça, c'est aussi le fruit de tout ce que nous ont pu nous apporter les neurosciences dans les 15 dernières années. Avant, le problème, c'était pourquoi est-ce que les gens hallucinent ? Depuis les travaux de Gérald Edelman, d'Eric Kandel, les travaux lyonnais de l'Institut des sciences cognitives, Marc Lenroux, etc., la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'hallucine pas ? Pourquoi ? Parce que ce qu'ont montré même Damasio, si vous lisez d'un peu près Damasio, vous allez voir arriver ces propositions-là. Parce que le processus hallucinatoire, c'est un processus de base du fonctionnement de notre cerveau. Quand on réactive les traces mnésiques des souvenirs anciens, on hallucine. Donc le problème, c'est plus pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui hallucinent et pas d'autres. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on n'hallucine pas tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ne sont pas pris, en quelque sorte, dans l'engagement hallucinatoire pour qu'ils disent non, ça, c'est pas une hallucination, c'est une pensée, c'est un souvenir. C'est quelque chose que je me dis, ça n'est pas quelque chose qui est en train de se produire maintenant. Alors bien évidemment, on a aussi mis en évidence que quand les gens avaient par exemple des hallucinations auditives, on les voyait, de manière très très fine, dire les mots qu'ils entendaient dans leur hallucination. Autrement dit, le problème c'est qu'il y a bien un substrat de perception d'une certaine manière, sauf qu'ils l'agentivent mal, c'est-à-dire qu'ils... Ils en mesurent mal quel est le producteur. Ils pensent que ça vient du dehors alors que ça vient du dedans. Bon, peu importe. Mais alors, ces processus hallucinatoires, et ce que je vais vous dire là, je vous préviens un peu, ça modifie quand même beaucoup de choses de notre rapport à la réalité. Ça. C'est un peu comme du côté des révolutions einsteiniennes, hein, c'est-à-dire... On croit que le monde il est fait d'une certaine manière et puis on est en train de découvrir qu'il n'est pas tout à fait fait de cette manière-là. C'est que le problème, c'est que d'une manière générale, ce qui fait qu'on n'est pas fou, c'est qu'on hallucine dans le réel. Et qu'on hallucine quelque chose qui est du même bois que la réalité. C'est ce qui fait que j'investis la réalité. J'investis la réalité parce que ça ne jure pas entre mes processus hallucinatoires et la rencontre avec la perception. Parce qu'il y a une espèce de continuum à l'intérieur de moi qui fait que mes expériences de maintenant sont du même bois, de la même matière, de la même nature. Bon, je vais vous donner un petit exemple quand même pour étayer ce que je suis en train de vous dire. Quand j'étais étudiant en psychologie, on avait un professeur qui s'appelait Guy Durandin et c'était un spécialiste du manchons à soi-même. Alors il faisait travailler les gens sur le témoignage, etc. Et un beau jour, il prend une assemblée de 40 étudiants, il y en a un peu moins qu'ici, et il leur dit, alors on va faire une petite expérience, il leur montre un petit film, et il leur dit, racontez ce que vous avez vu, le petit film, c'est un petit film un peu anodin, pas d'une clarté complète, mais enfin quand même on suivait une histoire, un petit film, et chacun devait raconter ce qu'il avait lu. Et moi on m'a dit, eh ben, toi tu vas dépouiller. Donc moi j'ai eu les 40 histoires, et j'ai lu les 40 histoires, pas deux récits pareils. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, alors il y en avait qui juraient un peu plus que d'autres. On se disait vraiment, là, on se demande où ils sont allés chercher ça. Mais quand même, même dans ceux qui, en gros, correspondaient à ma propre lecture, en tout cas de l'histoire, je me suis pris comme point de repère non fou.
Peut-être c'était Nora, c'était peut-être les autres, hein, mais enfin bon, il fallait faire une hypothèse, j'ai fait celle-là. Eh bien, même là, il y avait quand même des variations qui étaient absolument significatives. C'est un problème majeur, par exemple, des témoignages dans les procès. C'est qu'ils sont à l'interprétation près. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est... Vous avez passé les examens d'entrée en M2 Pro, vous n'êtes pas psychotique, vous n'êtes pas fou, vous êtes les plus sains des étudiants. Eh bien, même nous, notre rapport à la réalité... Ben, je me mets ici, j'avais passé aussi ça à l'époque. Même nous, ben, d'une certaine manière, c'est pas si sûr que ça. Encore un deuxième exemple. Alors, celui-là, c'est un exemple savant. C'est pas un exemple personnel, c'est Grolius. Vous connaissez Grolius. Alors, Grolius est un monsieur, fin du XVIe, début du XVIIe, qui a écrit un livre extraordinaire sur lequel Michel de Foucault, dans Les mots et les choses, se penche abondamment. Et le livre de Grolius s'appelle Le traité des signatures. Le traité des signatures repose sur l'idée que Dieu est co-créateur. Donc, il est partout, Dieu. Hein, il est là dans le coït, il est là dans le ciel, etc. À l'époque, on croit qu'il y a que 7 planètes dans le ciel. Alors, on dit les 2 yeux, les 2 oreilles, les trous des narines et la bouche. 7 trous dans le visage. Nous sommes les créatures de Dieu, puisqu'il y a, autant, il y a 7 planètes dans le ciel. Ça, c'est une signature. Dieu nous a signé avec nos 7 trous du visage. Parce que c'est le signe de Dieu. 7, c'est le signe de ceux qui marchent avec Dieu. Noé a vécu 777 ans. Enfin, l'arche de Noé, c'est 7. Enfin, vraiment, le 7, c'est l'alliance avec Dieu. Pas de problème. C'est une signature. Toutes les fois que vous avez un 7, vous avez une signature. C'est comme si Dieu marquait sa patte comme ça. Donc, alors, on étudie la vie des saints, etc. Mais, par exemple, on va s'en servir aussi pour soigner les gens. Supposons que vous ayez des rhumatismes. Vous savez que les rhumatismes sont plutôt aggravés par l'humidité. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Démarche scientifique de l'époque. Vous marchez le long des fleuves. Vous regardez les plantes qui poussent les pieds dans l'eau. Si les plantes poussent les pieds dans l'eau, ça c'est peut-être une signature que Dieu vous a envoyée pour vous dire, cette plante-là ne craint pas l'humidité dans les jambes et dans les rhumatismes, donc peut-être que c'est un bon traitement. Et alors, l'homéopathie, il y a des tas de trucs qui ont été inventés avec cette logique-là. C'est complètement fou. À l'époque, on ne considère pas que c'est fou. À l'époque, avant Newton, hein, je dis. Newton, c'est celui qui fait une opération fondamentale. L'opération fondamentale de Newton, c'est qu'il dit, je vais calculer l'attraction sans faire intervenir Dieu. Il a une formule qui est restée célèbre, c'est l'hypothèse non fingo, c'est l'hypothèse sur la nature ultime de la force qui attire les planètes entre elles, elle même prime sur des deux, etc. Eh bien, je ne me prononce pas. Donc, Newton dit, je ne sais pas si Dieu intervient ou pas là-dessus, mais je ne peux pas le calculer. Il ne peut pas calculer Dieu. Quand il ne calcule pas Dieu, et à ce moment-là, le calcul est hors Dieu. C'est la nouvelle, ce qu'on a appelé la nouvelle alliance. Hein. Oui, mais avant la nouvelle alliance, Dieu, il est partout. Donc, autrement dit, il faut le calculer. Et vous le calculez dans la nature, vous le calculez dans la science. Vous vous rendez compte par rapport à notre conception maintenant, si, imaginez que vous avez quelqu'un qui vient vous raconter que sa méthode à lui, pour faire de la clinique, c'est comme ça. Vous allez vous dire, peu de chances de passer en M2 Pro. Hein. Parce que ça ne va pas passer, ça, un truc pareil. Ça ne fait pas scientifique. Ça ne fait pas scientifique compte tenu de votre pensée du 21e siècle. Alors, voyez notre rapport à la réalité, comment il est quoi? Est-ce que c'est un rapport intrinsèque? Est-ce qu'ils sont fous, tous les gens de cette époque-là? Ils ne sont pas plus fous que nous. Sauf que le rapport à la réalité, il est conçu, il est partagé, il est idéologisé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postulats. Alors, nos postulats ne sont plus les mêmes. Mais notre rapport à la réalité, il est toujours médiatisé comme ça. Ce qui veut dire qu'en gros, quand on a à peu près baigné dans la même culture, etc., moi je me souviens quand j'ai commencé à bosser au Minguette, j'avais des patients qui faisaient des choses étranges. Et je leur disais, mais pourquoi vous avez fait ça? Ben parce que j'en avais envie. Alors, j'étais rationnel, on m'avait appris que ça ne suffisait pas comme explication.
C'est pas parce qu'on a envie de quelque chose qu'on le fait. Enfin, pas arrivé à un certain âge. Donc pour moi, c'était profondément choquant. Ça ne pouvait pas être une raison suffisante. Alors que pour eux, c'était vraiment d'une évidence totale. Alors après, j'ai commencé à essayer de voir comment fonctionnait leur espace culturel. Parce que la raison... Je suis en train de déborder. Vous me donnez encore une minute. Parce que la raison fondamentale qui leur permet de dire ça, c'est que c'est un accord avec leur surmoi. C'est là qu'ils ont un surmoi qui dit, quand tu as envie de quelque chose, tu peux le faire, ça ne pose pas de problème. Alors que moi, j'ai un surmoi qui dit, quand tu as envie de quelque chose, tu ne le fais que si tu as de très bonnes raisons de le faire. Autrement, je vais me conflictualiser, je vais avoir un sentiment de culpabilité, enfin bon, je vais avoir toute une série d'ennuis psychiques, parce que c'est pas conforme à mon organisation interne. Non. Alors, je m'arrête là-dessus en disant, voilà donc, premièrement, quand nous sommes suffisamment nombreux à partager une même croyance, cette même croyance devient vérité. Et il n'y a pas moyen d'expliquer ce qui se passe dans le monde si on ne fait pas des hypothèses comme ça. Quand on voit la foi, la conviction, l'engouement, les gens sont prêts à se faire tuer, bien. Il y a véritablement, s'ils y croient, qu'ils peuvent se faire. Or, ils y croient d'une certaine manière. Et c'est bon, tout le problème du retour des croyances dans notre civilisation. Bon, je ne vais pas faire m'engager là-dedans, encore que ça serait intéressant de faire une clinique de cette question-là. Mais on n'est pas là pour ça. Mais voilà, cette conviction commune, c'est-à-dire que la réalité, elle dépend du partage. Et les réalités délirantes sont des réalités pas partagées. Allez, je vous en sors juste une petite dernière comme ça pour la route, puis je m'arrête. Exemple. J'étais à Saint-Jean-de-Dieu, on a un patient qui débarque, qui arrive, qui nous est envoyé par le neuro, et il nous est envoyé par le neuro, et il arrive et il dit, oh là là, là-bas, il y a une patiente qui a pris un couteau, qui m'a suivi, qui voulait me poignarder. Alors tous les gens disent, oh là là, il délire à plein tuyau, etc. Il est complètement fou, alors on sort l'arsenal, etc. Puis il y a quelqu'un qui téléphone au neuro, qui dit, à propos, on a reçu votre patient. Et un neuro, on lui dit, oh là là, il a une histoire, il y a une patiente qui a pris un couteau. Alors d'un seul coup, il ne délirait plus. Donc tout le monde a dit, mais on s'est complètement trompé, il n'est pas du tout délirant. Et en fait, il était complètement délirant. Vous voyez comment la conviction varie. Et il était complètement délirant, et au bout de quelque temps, on s'est aperçu que ça, c'était l'histoire de la patiente avec le couteau. Voilà. Qu'est-ce qui est délirant? Qu'est-ce qui n'est pas délirant? Tout dépend des niveaux de croyance dans lequel on est. Le problème du retour hallucinatoire, alors je voulais vous parler de la psychosomatique, mais finalement, je vais plus parler de la psychose que de la psychosomatique, mais peut-être bien que derrière, enfin, si je venais quand même parler des chairs toques et des brûlures, mais peut-être que derrière, effectivement, le symptôme somatique, nous avons un processus hallucinatoire qui est du même style que celui qui provoque la brûlure. Et qu'on peut imaginer que vous posez une pièce de monnaie une fois sur la main d'un sujet, ça fait une brûlure du deuxième degré. Mais imaginez, si vous la posez régulièrement, si vous la laissez, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on atteint le troisième degré? Qu'est-ce qui va donner, que va donner cet effet de la ce mélange hallucination-représentation, quel est l'effet sur un pansement? Est-ce qu'on peut penser qu'un certain nombre de choses comme des maladies psychosomatiques sont liées comme ça à des expériences qui sont des expériences répétées, des expériences qui sont réactivées de manière hallucinatoire? Quand même une petite dernière chose comme ça, mais non, mais parce qu'après je ne vais pas revenir dessus la semaine prochaine, ça sera fort. Mais là c'est chaud, donc je vous le dis. Vous savez que vous connaissez le système des réflexes conditionnés. Hein. On prend un chien, le fameux Pavlov, vous lui donnez à manger, vous faites entendre une sonnerie à côté, vous lui donnez à manger, vous faites entendre une sonnerie, donnez à manger, vous faites entendre 3-4 fois, bon. Après, vous faites entendre une sonnerie, il se met à saliver. Réflexe conditionné. Alors là, c'est marrant, Pavlov.
Freud accorde de l'intérêt à cette. C'est à peu près l'époque de Freud, il accorde de l'intérêt à ces modèles. Hein. Et si vous lisez une esquisse pour une psychologie à l'usage des neurologues, vous verrez qu'il trouve que c'est un modèle qui est intéressant. Et il a complètement raison, puisqu'actuellement, les gens les plus pertinents là-dessus en neurosciences, je pense en particulier à Joseph Ledoux, Le cerveau des émotions, lisez-le si vous le trouvez, parce qu'il doit être un peu épuisé, à moins qu'il soit réédité, disent attention, le système des réflexes conditionnés, c'est la clé de notre vécu émotionnel. Eh bien, savez-vous que ces réflexes conditionnés, ça marche pour un système aussi compliqué que notre système immunodépresseur. L'immunodépression, c'est la clé de toute une partie de nos pathologies. Vous prenez une grippe, c'est parce que vous avez, c'est pas parce qu'il y a des virus, c'est parce qu'il y a des virus et que vous avez une baisse de vos défenses immunitaires. Eh bien, imaginez que les défenses immunitaires, elles sont aussi sur ce modèle des réflexes conditionnés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On donne aux gens un immunodépresseur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait descendre ses réflexes immunitaires, on l'associe à un stimulus, une fois, deux fois, trois fois, le stimulus suffit pour provoquer une immunodépression. Donc, ces systèmes-là marchent non seulement sur des prototypes simples du style salive, mais ça marche aussi sur nos systèmes fonctionnels complexes. Ça aussi, vraisemblablement, ça doit être des choses qui doivent intervenir à l'intérieur de la pathologie psychosomatique. Ça intervient, je pense, à travers nos maladies les plus courantes. Quand on prend la grippe, c'est pas quand on est le plus youpilala, parce que quand on est le plus youpilala, on est capable de faire fuir les vilains virus. On ne se voit pas la semaine prochaine. On se retrouve le samedi mars. C'est qui a fait l'expérience avec la pièce? Chertok. Léon Chertok. C'est quoi? Chaque fois que j'ai un truc qui m'agresse, je me rends un peu dépressif. Vous avez les virus qui traînent. Normalement, vous avez les virus qui traînent. C'est une raison que vous avez une baisse de votre système de dépression. Et les baisses de votre système de dépression. C'est une baisse de votre système de dépression.